Hey, salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on repart pour une nouvelle vidéo de chez Noz avec pas mal de bons plans pour cette semaine. J'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aimer, partager, commenter. Et je suis allée avec mon ami comme la dernière fois. Donc voilà, j'ai pas pris de panier. Je sais plus si. Non, j'ai pas pris parce que je me suis dit, si je prends un panier, je vais acheter. Donc voilà, vous avez pas mal. Comme d'habitude, on commence par les vêtements. Je regardais les marques des vêtements surtout. Je crois que ça, c'est une bonne marque. Pour 7 euros, ça valait le coup. C'est des petits t-shirts. Assez classe finalement pour soit rester à la maison ou bien pour aller au travail. Je trouvais que c'était assez sympa. Et vu que maintenant, c'est très tendance, tout ce qui est un peu couleur. Vous avez même des chaussures de travail, des petites chaussures bleues, bon, pas très fan. Il n'y a pas forcément les prix par moment, donc excusez-moi si vous ne voyez pas les prix. Après, je fais de mon mieux pour vous montrer les produits. Après, les prix, vous pouvez toujours aller voir en magasin. Ça, je l'ai proposé à mon amie pour son fils, c'est pour ça elle l'a trouvé trop mimi, donc elle l'a pris finalement. Parce qu'en plus, elle en avait besoin, donc ça valait le coup, je crois qu'il était même pas à moins de 5 euros ce petit pantalon. Après, je ferai des pauses comme ça de temps en temps parce que voilà, il y a des choses aussi qui sont pas forcément à voir ou autre. Là, c'est plus tout ce qui est chemise. Là, m'a dit, ça c'est une petite jupe, pardon. C'est assez tendance, il n'y a pas les prix. Là, c'est des. Je crois que c'était à 9,99 la petite chemise. Après, il y a des choses que je ne vous ai pas trop montré non plus. Les vêtements, j'ai essayé de passer assez vite. Donc voilà. Mais venez pas me dire, comme à chaque fois, ça va trop vite, ça va ceci. J'essaie de faire vraiment de mon mieux. Voilà, après, si, comme on discutait avec mon amie par rapport à ça, elle me disait par exemple, elle le voit. Et après. Elle va en magasin directement si elle a vu que c'était un peu vite et elle va directement en magasin. Bah faites pareil, hein. Non mais voilà. Donc là c'était un petit four à pizza. Je sais plus à combien il était. Je crois que je vous ai un peu zoomé par moment pour les prix parce que c'était trop loin déjà pour moi. Donc c'est pour ça. Donc voilà. Là il était à 129 euros et après pour l'autre était à 100 euros. C'était un chauffage si je me souviens bien. Oui, je crois que c'est un chauffage. Après, là, c'est assez tendance. À 25 euros, c'est des grandes chaises que vous accrochez en fait en hauteur. C'est vraiment bien. Vous pouvez accrocher ça, par exemple, chez vous, soit dans un arbre ou bien autre. Après, l'arbre, j'ai peur qu'il casse. Moi, je serais capable de casser une branche d'arbre avec ce genre de choses. Encore des petits pulls. J'ai bien aimé ce pull-là. Je le trouvais assez sympa. Il était, si je me souviens bien, à 15 euros. J'ai hésité vraiment parce que c'était ma taille en plus XL. J'aime bien les pulls qui sont XL assez grands, mais finalement je l'ai reposé parce que je me suis dit que ça valait pas forcément le coup. Après, il faut bien fouiller comme vous voyez pour trouver des petits vêtements ou autres. Là, pareil, des petits vêtements. C'était trop mignon ça, avec les petits chats. Après, vous avez même des piscines. Celle-là, elle était à 9,99 si je me souviens bien. Ou peut-être que vous avez mieux vu le prix que moi. Mais je me souviens, je crois qu'il y avait 9,99 et 20 euros, je crois, en piscine d'extérieur. Comme J'avais même pas ceci. vu qu'il y avait un skateboard. Là, c'est trop bien. C'est des petits sacs qui sont trop beaux. J'en ai pris un, moi, un rose un peu plus flashy. J'ai hésité à prendre les deux au début, mais finalement j'ai pris, ma conscience m'a dit de prendre qu'un seul, donc j'ai pris le rose flashy, je le trouvais trop joli. Et après vous avez plus un vert menthe, assez sympa aussi. Et l'intérieur avait l'air vraiment bien et grand. En plus ils étaient bien emballés. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai vraiment hésité, moi je voulais prendre les deux au début. Et en plus, il y avait un rose pâle et moi j'ai pris vraiment celui qui était plus flashy. Après, j'ai regardé d'autres vêtements. Il y avait des robes, il y a des jolies robes. Il y a des choses qu'on voit pas sur le coup, mais dans les vidéos, en fait, je vois un peu plus de choses.
Après, c'est comme d'habitude, vous avez moi j'appelle ça le fourre-tout au fur et à mesure. Là, j'ai montré à mon amie comment elle trouvait le chapeau. Je le trouvais assez sympa. C'est dommage, je voulais pas montrer. Je trouvais vraiment très joli pour l'été, c'est pas mal. Et il était à moins de 10 euros si je me souviens bien. Après, vous avez des chaussures. Vous avez pas mal de petites choses. Donc voilà mon petit panier que finalement j'ai pris avec le petit sac dedans. Là, je crois que j'étais en train de lui dire qu'en fait, moi, celui que j'avais pris, il était beaucoup plus rose foncé que celui qui était là-haut, qui était plus rose clair. Après, vous avez tout ce qui est plus grand sac à dos. Là, c'est plus les sacs à dos de marche quand vous voulez, pardon, quand vous voulez partir en voyage. J'avais même pas fait gaffe qu'il y avait un skateboard en plein milieu. Je pense que je vais pas parler comme la dernière fois pendant 40 minutes. Après, je vous laisserai avec une petite musique. La dernière fois, je crois que j'avais parlé, pardon, pas payé. J'avais parlé pendant plus de 50 minutes. Après, je pense que je peux le refaire, mais bon, c'est un peu fatigant finalement. On va essayer pour 30 minutes et après les 15 minutes, ce sera plus cool. C'est plus tout ce qui est make-up de toute façon à la fin. Nourriture et make-up. Là, vous avez une cloison de séparation. Elle était assez jolie à 67 euros. Et là, plus des jouets pour enfants à 20 euros. Comme je vous ai dit, j'ai essayé de faire un maximum quand même pour vous montrer les prix. Là, vous avez des petites couvertures. Là, je vous conseille d'acheter des petites couvertures. Même là, vous avez des écharpes de bonne qualité. Même cette petite pochette, elle était à 20 euros. Et en fait, j'ai regardé sur Internet, il y en a certaines qui valaient plus de 60 euros. Donc, j'ai hésité à la prendre, mais je l'ai reposée parce que par endroit, elle était un petit peu sale. Donc c'est dommage, sinon je pense que j'aurais essayé pardon, de la revendre. Là vous avez plus tout ce qui est bonnet, écharpe aussi. Je crois que c'est de la bonne marque comme écharpe. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il y a certains produits qui sont bien, par exemple chez Noz, à acheter maintenant pour cet hiver en avance. En général, si vous achetez comme ça en été, c'est sûr que les vêtements d'hiver coûteront beaucoup moins cher. Sinon, ces sacs à main, je les trouvais trop trop jolis, avec surtout la lanière sur le côté, avec des couleurs différentes. Le beige était vraiment joli. Je crois qu'il coûtait 15 euros et vous l'aviez aussi en orange, si je me souviens bien. C'est ça, orange. Je crois qu'il y avait d'autres couleurs après. Non, beige, orange ou marron. Après des petits foulards, après ça peut servir je pense pour des voiles aussi, des chaussettes différentes couleurs, ça fait un peu clown celle-là. Après vous avez aussi maintenant vu que ça va bientôt être l'hiver, vous avez des maillots de bain, l'été pardon. Je ne vais pas y arriver avec les saisons aujourd'hui. Vous avez l'été qui arrive, donc qui commence à avoir des maillots de bain, des chaussures à talons. Après, des fois, dans les chaussures à talons, vous pouvez trouver des bonnes marques. Après, toujours les vêtements, donc c'est moins intéressant quand il y a. C'est vrai qu'au début, dans ce magasin-là, en tout cas de chez Noz, il y a tout au début, c'est tout le temps les vêtements. Et sur les côtés, c'est ce qui est un peu bon plan promotion, j'ai l'impression, pour le mois. Et après, ça change d'un mois à un autre. Là, vous avez des assiettes, mais celle-là, je crois que les assiettes, je les avais déjà vues le mois dernier, en tout cas dans la vidéo que je vous ai postée début mai. Là, c'est des grandes marmites. Ça peut être bien si vous voulez faire comment, des soupes ou des pot-au-feu, des petites choses comme ça, en fait. Des tapis aussi pour la maison, j'ai failli en prendre un, je trouvais que c'était pas mal. Le prix, j'ai même pas fait attention. J'ai l'impression que moi, quand je fais le montage, j'ai l'impression de voir tout en tout petit. Donc peut-être que vous, si vous le mettez en grand écran, vous verrez un peu mieux les prix aussi. Ça dépend, je pense aussi. Donc, comme je vous ai dit, il y a des tapis. Pour l'entrée, ou bien moi je l'ai utilisé un tapis comme ça pour la cuisine par exemple. Vous avez aussi des casquettes Espagne. Je sais pas du tout si c'est bonne marque ou pas du tout, ça. Mais j'ai l'impression aussi, il y a des fois j'ai l'impression que c'est de bonne marque parce que j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Pour ça.
Donc après, vous avez des claquettes, vous avez pas mal de petites choses, des lunettes de soleil pour cet été. Là, il commence des moumoutes pour l'été ou bien pour comment dire, pour l'hiver si vous les gardez, vert. Les petites lunettes de soleil que je vous ai montrées à 1,99 €. Donc voilà, pour les lunettes de soleil à 2 €. Vous avez aussi des coques, mais celles-là, je crois que je vous les avais déjà montrées il y a un petit moment aussi. Et je pense que tant qu'elles ne n'ont pas été écoulées, je pense qu'ils les remettent au fur et à mesure. Après, là encore des plaids pour l'hiver. Bon, je vous le conseille. En plus, à 8,99 €, ça vaut vraiment le coup. Elles ont l'air bien chaudes pour votre lit. En même temps, avec le temps qu'on a actuellement, je pense que ça pourrait faire l'affaire aussi. J'ai enlevé, je crois, ma couette, moi, il n'y a pas très très longtemps, mon grosse couette couverture. Après, des claquettes, c'est plus, je pense, pour homme, ça. Je ne sais pas, à 2,99 € les claquettes. Donc, on était arrivé aux claquettes. Après, je ne sais pas sur quelle. Ah, encore des lunettes de soleil. Là, ce serait plus des lunettes de femme. En plus, elles sont jolies. Il y a des petits motifs à l'arrière. Je ne sais plus du tout le prix. En plus, je vous l'ai mis à 2,99 €. J'ai pris ces petites sandalettes roses pour moi à 6,99 €. Ça valait vraiment le coup. En plus, elles sont super agréables à porter, donc je vous les conseille. Je crois que j'ai pris en taille 39. Donc voilà, après, encore les claquettes. Vous avez après des petits lits niches pour vos animaux, des packs pour ranger vos affaires, style, comment dire, de la nourriture pour le frais, en fait. J'arrive plus à parler aujourd'hui, donc il va falloir faire avec. Vous avez aussi pour les épices, rangement d'épices, petite astuce, petit conseil plutôt. J'en ai trouvé aussi chez Action à un peu moins cher en bois et je vous les conseille. Elles avaient l'air très très bien, celles de chez Action. Après les petites chaussures rouges, je crois qu'on les avait déjà vues. Il y a pas mal de choses en fait qui reviennent au fur et à mesure chez Nose, j'allais dire Action, encore tellement habituée. Des rideaux, c'est vrai que j'ai pas regardé le prix des rideaux. Oui, il y a bien un sac Action qui s'est perdu entre-temps dans le décor. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il fait là. Je ne l'avais même pas vu la dernière fois. Des fois, je vois les choses que quand je vous fais les vidéos en parlant, en vous faisant l'audio de fond, quoi. Une petite trousse avec des formes de yoga. Des petits puzzles pour vos enfants à 4,50 € avec 60 pièces dedans. Des coques encore, comme tout à l'heure, je vous disais, des coques pour téléphone, vous avez pour iPhone. C'est surtout iPhone 12 et je crois qu'il y a un peu de 13, mais je ne suis pas sûre. Donc voilà, pour les coques, maintenant on va passer à des petits chaussons moumoutes. Elles sont trop trop drôles, ces petits chaussons. Moi, je ne suis pas très fan, mais je suis sûre qu'il y en a entre vous qui aimer ce style-là de chaussons, même je pense qu'on peut les porter pour aller dehors, genre pour aller amener au moins la poubelle dehors. Après, des petites chaussures qui sont très tendances. Moi, c'est ma grand-mère qui en portait quand j'étais plus jeune. Donc, moi, j'assimile ça à ma grand-mère. Donc, c'est pour ça, moi, quelqu'un qui est assez âgé, donc c'est pour ça, moi, je ne les mettrai pas. Je ne suis pas très fan. Après, ça non plus, je ne suis pas fan du tout comme style de chaussures. Vous avez les tailles à l'intérieur, là, à 6 €. Et après, vous aviez d'autres chaussures. Vous voyez, j'ai pris que du rose, là, le petit sac à main rose, plus les petits chaussures aussi roses. Là, c'est des jeux pour les enfants. C'est pour faire, je crois, du savon, quelque chose comme ça. Vous avez des serviettes. Là, c'est pour faire vos kits. Je crois que c'était pour les albums photos. Vous pouvez utiliser ça. C'est un kit assez grand. Donc, j'ai l'impression que ça fait aussi carnet. En fait, on dirait même. J'ai pas fait attention, mais on dirait un agenda plutôt. Comme un bullet journal finalement. Après, des coussins, voilà, je me suis amusée aussi à retourner les perles. Ça, il y a depuis un petit moment, c'est des cafetières. Je crois qu'elles sont à 12,99 € à ce que j'ai vu. Vous avez des petits pots en dessous.
Après, là, c'est plus tout ce qui est anniversaire. Il y avait pas mal de choses aussi pour l'école qui commence à arriver pour la rentrée de septembre. Déjà, chez Action, là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses pour la rentrée scolaire. Mais bon, c'est un peu tôt quand même. On n'est que milieu mai. Après, là, ça évite aussi. C'est bien aussi pour les gens parce que ça évite de les faire au retour de vacances. Après, il y a des choses que je vous montre assez vite parce qu'en fait, vous les avez déjà vues dans les autres vidéos, donc ça sert à rien des fois que je vous montre 10 fois la même chose. Ça va vous lasser aussi au bout d'un moment. Après, ça c'est pour les serviettes de bain pour les enfants. Il y en avait déjà les dernières fois, si vous vous souvenez. Bon, ceux qui regardent mes vidéos jusqu'au bout, je pense que vous vous souvenez. Demain, je me lève de bonne heure, eh ben, ou de bonne humeur. Des petits poids aussi pour si vous avez la flemme d'aller à la salle de sport, 2 kilos, vous pouvez prendre un dans chaque main, ça peut aussi être utile. Après, vous avez des couverts comme vous pouvez voir dans des boîtes. Je voulais voir comment ils étaient ceux-là parce que je cherchais ceux qui étaient en or que j'avais acheté une fois à 2,99 le set de couverts. Je ne sais pas combien il y en a dedans. Après, vous avez pas mal de petites choses pour mettre dans des, si vous aimez faire les bullet journal ou autre. Donc, il y en a encore ici, c'est en bois. Alors là, nous avons des puzzles, des petits paniers. Je décris les produits vu qu'on m'a vraiment reproché de temps en temps qu'on je ne décrivais pas assez les produits. Donc en fait, c'est pour ça, là, je me mets juste à vous décrire les produits, même si vous connaissez déjà les produits. Là, c'était pour la voiture. Je ne sais plus du tout qu'est-ce qu'il y avait dedans, mais je sais que c'était pour la voiture. Là, c'est pour un petit ventilateur à 9,99 €. Comme vous avez vu, je vous ai zoomé le prix pour que vous voyez bien le Molky. C'est trop, trop bien ce jeu-là. Moi, je l'ai joué surtout quand j'étais en Bretagne. Après, vous avez des petites lumières. Assez sympa aussi. Je trouvais assez classe. Vous avez 10 ampoules dedans pour 5,99 €. Là, je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est avec des ronds à l'intérieur. Là, c'est pour des chaises, pour redécorer vos chaises. Ça, c'est des numéros pour, vous savez, vous pouvez les gonfler pour l'anniversaire. Après, il y a beaucoup de choses quand même qui sont revenues, qui étaient déjà là les dernières fois dans les dernières vidéos. Donc n'hésitez pas à regarder la playlist si vous voulez savoir un peu plus ou voir ou même les comment ça s'appelle voir les prix, les choses un peu plus importantes. Ça, j'ai adoré ces petits paniers à 1,50 € le panier. Vous avez pas mal de choses comme je vous ai dit, des verres là. Là, c'est des petites billes, des petites. Comment? Des petits œufs sensoriels, ça va bien pour l'éveil des enfants. Et dedans, en fait, ça fait gling 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 quoi, si je vous fais le bruit exact. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a des choses vraiment, j'ai perdu la. Je sais même plus qu'est-ce que c'est. Là, c'est des gamelles pour vos animaux. J'ai pas regardé le prix. Là, c'est des petites peluches. Des petites boîtes, il y a pas mal de petites choses quand même. Je crois que là j'étais en train de me battre avec le chariot. Donc là après vous avez des petits pots de fleurs, vous avez aussi tout ce qui est serviettes. Ah non, là ce n'est pas des serviettes, c'est des housses de coussin à 1,98 € la housse en polaire. C'est bien pour l'hiver par exemple. Moi j'aime bien quand mes coussins sont un peu polaires pour l'hiver.
Donc voilà, je me suis remise à vous remontrer les gamelles parce que je ne vous les avais pas montrées à 1,60 €. Ça peut être bien celle-là, par exemple, quand vous partez en vacances pour vos animaux. Moi, je sais que j'ai toujours des gamelles en plus dans la voiture quand je pars en voyage. Après, vous pouvez créer vos monstres en plastique. Là, c'est lumineux. Et normalement, je ne sais pas si ça se colle avec un adhésif déjà ou pas. Donc je ne pourrais pas vous dire du tout. Mais c'est pour en fait pour la chambre de votre enfant. À 1,30 €, je crois, ou non? Je crois que j'ai mal vu le prix. Donc là, vous avez, c'est pour les piscines. C'est des filtres pour les piscines. Au début, j'ai cru que c'était des filtres pour les aspirateurs. Je ne savais pas qu'en fait, ça existait pour les filtres à piscine, que c'était comme ça. Parce que celui de mon aspirateur, il lui ressemble énormément. Des petits kits, on dirait voyage. Non, des petits kits naissance à 1,99 €. Après, là, c'est pour les anniversaires encore. Donc, il y a les ballons, il y a les pailles. Pas excessivement cher, 1 € les pailles en carton. Là, les petits verres, je sais plus du tout à combien ils sont. Donc nous sommes. Ah, c'était des. J'avais pas vu qu'il y avait des circuits de billes juste en haut. C'est passé. Je vous ai montré ça tellement vite en même temps que c'est pour ça. Après, vous voyez assez bien quand même les produits que je suis en train de vous présenter. Il y a le. Là, c'était trop joli. C'était une. Je vais vous les montrer juste après. Ce sont des pochettes en fait. Pour les cours, comme je vous dis, il y a beaucoup de choses qui font beaucoup les cours. Donc voilà des petites pochettes dedans, vous pouvez ranger par exemple vos crayons. Vous avez des poignées de porte aussi, je ne savais même pas qu'ils pouvaient faire des poignées de porte. Des piles plates pour vos lampes, clés de voiture, aussi pour les montres à ce que j'ai vu. Là, je vais vous montrer en fait qu'il faisait par assortiment ce que je vous ai montré juste avant. Donc là, il y a les pochettes à 1 € la pochette. Ça vaut vraiment le coup en plastique. Et après, là, c'est plus un trieur. Pas trop trop cher non plus. Une petite pochette ici. Voilà, c'était vraiment des ensembles pour la rentrée scolaire, je dirais plus. Après, c'est vrai que si je me souviens bien, nous on avait des listes et il fallait acheter ce qui était marqué sur les listes. Maintenant, je ne sais plus du tout s'il y a besoin d'acheter en fonction des listes ou pas. Moi, je sais que les profs n'étaient pas contents si on n'achetait pas la même chose que eux, ils avaient demandé. Et là, vous avez plein de livres. Vous avez des livres assez sympas. J'en ai trouvé un. Celui de Géo. Histoire géo, quelque chose comme ça, ou géographie, je ne sais plus c'est quoi le nom exact, et c'était pas excessivement cher. Là, c'est pour les cafetières, c'est à 5,99 € si je me souviens bien. Non, c'est même des filtres pour. Je crois que c'est même pour faire votre thé finalement. Des ballons pour l'anniversaire. Il y a beaucoup de choses aussi pour les anniversaires. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui sont nés en mai aussi. Mais juin, je sais pas. Ça, c'est des cartes. Des verres encore. J'ai l'impression de présenter en fait avec vous un documentaire. Aujourd'hui, nous allons voir les différents achats chez Noz. Voilà, je me suis trompée. Il me manque la motivation aujourd'hui pour les. Je pense pour vous faire la vidéo, il me manque un peu plus de motivation. Vous inquiétez pas, la motivation, je l'ai retrouvée dans d'autres vidéos qui seront bientôt. Demain, si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, ou au moins jusqu'à cette partie-là, demain, je vous fais un haul de chez Normal avec les achats que j'ai fait la semaine dernière. J'avais pas trop envie de vous faire tout d'un coup. Après, je vous ai fait aussi les bons plans de cette semaine de chez Action, mais la vidéo se postera un peu plus tard que prévu. Là, je crois que c'est pour créer vos propres tasses.
c'est assez sympa quand même. Après, vous pouvez ouais, trouver des petites astuces de décoration et même ça coûte pas excessivement cher chez Noz. Donc ça vaut le coup. Là, c'est des correcteurs, des souris des bobines de fil. Ça, je vous avais déjà présenté le Nutrifrais, je vous avais déjà présenté ça il y a un petit moment. À 1 euro, là, c'est pour faire vos listes, par exemple, de courses, des livres, comme je vous ai dit. Et oui, ce que je vous disais pour Géo, j'ai trouvé, je crois que c'était les histoires étranges, un truc comme ça de la France. Là, c'est pour faire de la musique. C'était sympa. C'est dommage que je ne vous ai pas laissé la musique. Je ne sais plus du tout comment s'appelle cet instrument de musique. Mais je pense qu'en fait, bientôt, je vais vous mettre la fin avec de la musique parce que vraiment, j'ai pas envie de vous faire jusqu'au bout parce que je pense pas que vous êtes la plupart d'entre vous, vous ne regardez pas jusqu'au bout. De toute façon, si vous avez besoin de détails ou autres, vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je peux vous dire après à quel passage, etc. Qu'est-ce que c'est comme produit. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me le dire. De toute façon, vers la fin, c'est surtout la nourriture et tout ce qui est make-up. Vous avez pas mal de petites choses. Même là, je crois que ça commençait à avoir. Oui, là, c'était plus des huiles, des petites choses comme ça, serviettes. J'ai essayé vraiment de vous montrer aussi les différentes parties que vous pouvez avoir. Je crois que je vous montre même à un moment donné, il y a un frigo. Je crois que je vous montre le frigo. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses à voir vers la fin. Et là, on a déjà passé presque 26 minutes ensemble, je pense que c'est bon. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas d'aimer, partager, commenter. Et évidemment, on se retrouve là bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, salut, salut!